Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures sur Odalus de Dark Call. Et oui, alors finalement, par rapport à ce que j'ai failli faire lors du dernier épisode, c'est-à-dire abandonner, et bah du coup on se retrouve aujourd'hui pour la suite, et peut-être cette fois-ci la fin, voilà, de Odalus de Dark Call. Je pense que là, on est plutôt bien parti, voilà, parce que la dernière fois, alors je sais pas ce que je vous aurais laissé encore au montage, j'ai pas encore fait le montage de la dernière vidéo, mais bah, si vous ne l'avez pas fini en entier ou si vous l'avez skippé parce que le boss vous emmerdait et tout, regardez peut-être la fin, histoire de voir ce qui s'est passé parce que je vous ai montré ça en vidéo. Bon, par contre, attention, pour ceux qui se... Ouais, voilà, c'est... Le dernier épisode, j'ai envie de l'appeler l'épisode de la grossièreté, voilà, parce que le jeu m'aura légèrement énervé, voilà, donc... je suis désolé pour ceux qui les gros mots choquent, mais bon, sur le coup, ça aide beaucoup à canaliser le stress, hein, je dois bien l'avouer. C'est pas dans mes habitudes, mais quand un truc m'énerve, voilà, ça m'énerve. Mais, bah, par contre, cette fois-ci, la bonne nouvelle du jour, c'est que, comme vous le voyez, j'ai une super épée magnifique qui brille, qui a une hitbox de taré, d'ailleurs, et une super armure trop classe. Vous le voyez à gauche aussi, du coup, j'ai été récupérer l'armure... Et l'épée, voilà, c'est ce que j'ai été chercher de récupérer. Je vous ai fait ça la dernière fois, je vous avais mis en vidéo à la fin en bonus. Et puis voilà, que dire de plus. J'ai préféré faire ça plutôt que d'abandonner, voilà, disons que j'ai préféré faire ça que d'abandonner. Allez, crève. Voilà, vous voyez comme ça tue vite les ennemis, c'est pour ça que là je vous y laisse. Là je vous y laisse parce que vous voyez non seulement la... Bon, là c'est pas un bon exemple, mais la portée de l'épée, elle est légèrement meilleure. Elle a une porte, en fait elle a une hitbox monstrueuse cette épée, et en plus elle inflige le double des dégâts, c'est absolument incroyable. Donc non, là pour le coup, j'ai été me refaire certains niveaux. En revanche, l'armure, ça j'ai été le chercher dans une solution. L'épée, j'ai été la trouver au bol, mais après l'armure, j'en avais tellement marre de tourner partout que l'armure, j'ai été regarder j'ai été chercher une solution en fait, voilà, aussi simple que ça. J'ai préféré faire ça plutôt que d'abandonner le jeu. Donc j'ai encore été faire l'effort de chercher l'épée sans solution. Et après l'armure, mais j'en avais tellement marre que du coup j'ai été me chercher une solution. En fait, la solution, c'est entre guillemets, disons que ma solution, vous pouvez aller voir sur Steam, c'est un guide que j'ai sur Steam, que j'ai été voir sur Steam. La solution, elle m'a juste dit dans quel niveau se trouvait l'armure. En gros, la solution, c'est ça, je savais pas du tout où était l'armure en vrai. Du coup, j'ai quand même dû me refaire tout le niveau. Donc du coup, c'était une moitié de solution, donc disons que j'ai à moitié triché, voilà. On va dire ça, bon j'ai triché quand même, vous voyez navré pour l'armure, j'étais chercher une solution parce que j'en pouvais tellement plus la dernière fois, non mais je vous avais enregistré je crois, mais pendant presque 4 heures de vidéo, ce qui est, évidemment je vous ai pas laissé les 4 heures de vidéo, et ce qui explique aussi qu'à la fin j'étais un peu, comment dire, énervé, disons que le mot me semble adéquat, oui on va dire que j'étais énervé la dernière fois, donc du coup je vais essayer de faire mieux cette fois, de moins m'énerver en tout cas, c'est plutôt dans ce sens là que j'entends. Ça va pas à gagner parce que... Ah oui c'est vrai, non mais attendez, il y a un poulet là-haut. J'avais oublié qu'il y avait un poulet là-haut, il faut absolument que j'y aille. Oui ça passe, parfait. Super. Voilà, ouais là il y a un gros poulet. J'ai bien fait de m'en souvenir de ça parce que ça va certainement m'aider d'avoir à nouveau toute ma vie. J'ai pas été me chercher d'armes, j'ai pas été mourir histoire d'avoir à nouveau mes 3 vies. Là on reprend vraiment dans l'état où je me suis arrêté la dernière fois. On va découvrir ce niveau, voilà, mais je pense que... C'est sérieusement, j'ai pu tester du coup l'épée en cherchant l'armure. Elle est monstrueuse l'épée hein. Bah vous l'aurez vu sur le boss d'ailleurs, parce que ça je vous l'aurais mis le dernier try sur le boss. Elle est monstrueuse cette arme, je veux dire, c'est incroyable. Et l'armure aussi, bon évidemment elle vous fait avoir moins de dégâts. Mais mais vous voyez en plus, la hitbox de l'arme, vous avez vu ça? C'est encore un truc là. J'ai déjà été là, je sais plus. Ah oui, oui, d'accord, oui. Oh, puis je l'ai tué en un coup, en plus, c'est incroyable. Non, vous l'avez vu, la hitbox de l'arme, là j'ai tué le poisson en étant en dessous. La hitbox elle est en fait légèrement plus haute que vous. Ouais, vous voyez, je tue les trucs en dessus qui sont en dessus de ma tête en fait. C'est absolument abusé. Donc quand je dis qu'il y a des problèmes de hitbox dans le jeu, bon là en l'occurrence ça joue en ma faveur. Mais je n'exagère pas, hein. Là vous le voyez, il y a vraiment des problèmes de hitbox dans le jeu, hein. Mais bon. Je vais essayer de pas trop m'en plaindre vu que là c'est à mon avantage, très clairement d'ailleurs. Pour une fois, allez, on n'est jamais arrivé jusqu'ici, les amis, on progresse. Non mais évidemment, maintenant, avec le full stuff, là, je vais y arriver, mais... Moi, j'aurais bien voulu, vous voyez, j'aurais vraiment voulu pouvoir finir le jeu sans avoir à chercher ces armes secondaires, enfin, l'armure et tout, quoi. Non, ça sent le boss, là. Ah oui, oh, c'est le coup de la femme samouraï, là. Oh, qui aurait pu le croire? Voici le petit, hein, l'insecte insolent qui refuse de mourir. Dis-moi, voilà, il y a de nouveau ce mot, c'est Dulk. Donc d'après Google Translate, c'est quoi? C'est laxatif, je crois. Non, sédatif. Voilà. D'après Google Translate, ce mot veut dire sédatif. Je doute très fortement. Donc à mon avis, c'est un nom. Je pense que c'est son nom de famille, ou alors c'est le nom de la race, ou j'en sais rien, c'est un truc comme ça, je pense. Alors comment,
Qu'est-ce que tu dirais que je te tue rapidement et que je récupère le Dalus? Qui es-tu? Un monstre? Des monstres? Qui êtes-vous? Des monstres? Des dieux? Un peu des deux. Nous ne sommes pas si différents que toi et moi. Nous sommes seulement... nous comprenons mieux les opportunités qui s'offrent à nous, voilà. Une opportunité, n'est-ce pas? Mais à quel prix? Le prix n'a jamais changé. Pas depuis un millénaire. Tu penses que tes vieux dieux ont fait quelque chose de différent? Qu'est-ce que tu peux être innocent? C'est vraiment pitoyable de... qu'est-ce que c'est pitoyable que je sois réduit à ça, mais tu as abusé de ma patience. Meurs, insecte. Bon. Ah oui, puis en plus, je voulais pas dire non plus, mais la nouvelle arme, là, elle tape deux fois plus vite. Non seulement de taper deux fois plus fort, elle attaque deux fois plus vite. C'est totalement abusé. Mais vous allez pas me dire que je l'ai battu, là. Non, d'accord, ok, ouais. Non. Ok, elle rentre dans une deuxième forme, attention. Elle passe en rouge, maintenant. Encore une fois, la puissance des swap colors. Mais voilà, moi, j'aurais vraiment voulu, vous voyez, finir le jeu sans chercher ces trucs. Bon, alors, l'armure, j'ai pas... Bon, déjà, l'armure, j'ai pas testé, j'ai pas... Oh! J'ai pas triché. Oh, cool. Elle est pas mal, cette attaque, tiens. L'armure, j'ai pas triché. L'armure, j'ai triché pour l'avoir, déjà. Bon, pas l'épée, mais l'armure, oui. Donc déjà, ça me gonfle, déjà, d'avoir dû tricher pour trouver un truc. Mais en plus, il y a un autre truc qui m'embête. C'est que, sérieusement, j'aurais voulu finir le jeu sans ces upgrades. Oh, punaise. Bon, d'accord, je joue n'importe comment, là, parce que, bon, je vous parle et je découpe le boss en même temps, mais... Pourquoi j'aurais voulu finir le jeu sans ces upgrades? Bah... Parce que un jeu devrait être finissable même sans aller chercher même sans le finir à 100%. Je veux dire, un jeu devrait être finissable même sans avoir à chercher 50 millions d'objets cachés un peu partout, quoi. Et là, c'est carrément pas le cas. Hein. Vous l'avez vu, le boss, en tout cas moi, à mon niveau, je ne peux pas, voilà. Vous voyez, avec le skill que j'ai obtenu sur le boss à force de le battre des dizaines de fois, je l'ai même tué avant qu'il nous fasse pop la deuxième forme du truc, là. Mais je veux dire, c'est complètement abusé, quoi. L'arme, elle est tellement abusée que du coup, ça rend tout beaucoup trop facile. Et moi j'aurais préféré justement le battre à la loyale, quoi, avec l'arme et l'armure de base. J'aurais trouvé ça beaucoup mieux. Voilà, je fais n'importe quoi aussi, mais... Parce que là, du coup, là, j'ai la super arme, la super épée, et bah évidemment... En fait, pourquoi j'utilise pas mes armes secondaires, moi, c'est... Merde, je fais n'importe quoi. Voilà, punaise. Mais vous voyez, voilà pourquoi je voulais pas aller chercher ces upgrades. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui me l'ont demandé. Pourquoi je suis pas allé chercher les upgrades avant. Mais vous voyez là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. J'ai bourriné le boss comme un abruti et puis ça a passé, quoi. C'est ça que je voulais pas. Mais malheureusement, j'ai l'impression que le jeu nous oblige à faire ça, presque. Parce que voilà, là j'ai bourriné le boss comme un abruti. C'est une plaisanterie. Ah bordel! Ah bien joué! Bravo! 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 Ah alors celle-là je m'y attendais pas. Alors si vous n'avez pas encore compris, regardez sous mes pieds. Vous voyez la petite orbe à droite qui clignote pas alors que j'ai tué le boss la dernière fois? D'accord. Donc définitivement, ce jeu n'a aucun sens et aucun... en fait ce que je vais faire c'est que je vais quitter. Ouais parce que là de toute façon... Ouais bah oui, et puis du coup je vais aller me racheter des objets, et puis comme ça je serai full. D'accord, donc ce jeu n'a définitivement aucun sens et aucune consistance. Parce que, vous vous en souvenez, je l'avais dit ça, par exemple vous vous en souvenez, voilà, par exemple là, c'était dans la montagne enneigée, là, vous vous en souvenez, je suis mort. Après, je suis mort plusieurs fois pendant qu'on essayait d'ouvrir une porte runique, voilà, vous vous en souvenez sûrement. Si vous avez regardé le let's play, normalement vous vous en souvenez. Et je l'avais dit, je suis sûr et certain, je me souviens parfaitement de l'avoir dit, j'avais dit que je trouvais ça très bizarre, que quand on mourait, ça nous remettait pas à zéro le niveau, quoi. Normalement, c'est ça qui se passe dans les jeux rétro, c'est que, voilà, quand on meurt, quand on a un game over, tout revient à zéro. C'est le but d'un game over, justement, sinon ça aurait pas d'utilité d'avoir un game over. Donc j'ai trouvé ça très bizarre. Je l'ai dit plusieurs fois, il y a plusieurs trucs. En fait, tous les niveaux, presque, ils ne se resettent pas quand on meurt. Vous pouvez quitter le jeu, vous pouvez avoir des game over, crever et tout, il n'y a pas de souci, ils ne se resettent pas. Mais là, ce niveau-là, tout d'un coup, les développeurs ils se sont dit, tiens, et si on les faisait recommencer du début à chaque fois qu'ils quittaient le jeu? Parce que là, j'avais battu le boss, hein, vous en souvenez, voilà, j'avais allumé la petite loupiote. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quitté le jeu, je reviens, le truc est éteint. Non mais...
Attendez, c'est formidable quand même. Alors bon, là je vais pas rager, franchement, et attendez, si ça m'était si j'avais tué le boss à la loyale, c'est-à-dire avec l'arme et l'armure de base, et que ça m'était arrivé comme ça, je pense que là j'aurais pété un plomb et quelque chose de violent. Donc heureusement que je l'ai pas battu à la loyale. Mais même comme ça, je trouve ça abusé. Sérieusement, les gars là, sérieusement, vous êtes pas foutus de programmer de manière consistante votre jeu. Et c'est peut-être ça le plus gros problème que j'ai avec ce jeu, c'est qu'il y a rien de consistant en fait. C'est que les hitbox parfois elles marchent, parfois elles marchent pas. La cape parfois elles marchent pas. Il y a plein de petits soucis comme ça qui s'accumulent et puis c'est un peu problématique pour les nerfs quoi. Bon là j'ai plein de fric donc ce que je vais faire c'est que je vais aller m'acheter. Regardez-moi ça, je tue tous les ennemis en un coup avec cette arme. Voilà pourquoi je voulais pas aller la chercher. Parce que maintenant du coup qu'est-ce qui va se passer? Bah je vais juste bourriner comme un con tous les ennemis et puis les boss sans réfléchir à ce que je fais. C'est vraiment pas ce que je voulais faire quoi, mais bon tant pis hein, le jeu m'a forcé à le faire donc bah faisons-le. Allez, on va s'acheter masse de vie. J'espère au moins que là, le fait d'avoir quitté le niveau m'a pas reset le truc, hein, parce que alors si c'est ça, alors là, alors là sérieux. Non, c'est abusé, hein, c'est abusé. C'est abusé comme ils ont foiré certains trucs hein, les développeurs, c'est incroyable. En fait, je pense pas qu'ils y aient foiré, je pense pas que ça soit comme ça parce qu'ils aient oublié ou mal programmé le truc. Ils ont sciemment programmé ça comme ça. Mais j'ai envie de dire pourquoi. Ça a pas de sens d'avoir un jeu, dans un jeu, il faut que, ça soit, que le truc soit cohérent un minimum, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'il y a pas de cohérence dans le jeu. C'est qu'il y a des trucs qui se passent d'une manière, et puis le niveau suivant, ils vont se passer d'une autre manière. C'est ça c'est le plus gros grief que j'ai sur ce jeu, avec ce jeu, je crois. Bon, j'en ai plein des griefs, hein, vous l'aurez remarqué, mais c'est tous des petits griefs, hein, c'est pas des gros soucis, mais... C'est des petits griefs qui suffisent à me faire péter un plomb, quoi. Sérieusement, je crois que ça m'est rarement arrivé de m'énerver autant en vidéo, en tout cas. Hein. Du coup, félicitations à la personne qui m'a offert ce jeu. Enfin, non, qui me l'a recommandé, parce que... Je l'ai acheté moi-même, mais disons qu'il me l'a recommandé. Oui, non, c'est bon, c'est resté allumé. Ouh, bah heureusement. Donc en fait, quand vous quittez le jeu, ça reset le truc, bien sûr. Merci beaucoup. Bon, au moins, comme ça, je sais pas, besoin de me refaire le jeu boss, quoi. Mais ouais, non, effectivement, félicitations à la personne qui m'a recommandé ce jeu, alors. Il aura réussi, mais à me faire péter des câbles, hein. Bon, la majorité hors vidéo, parce que j'ai quand même essayé, voilà. Mais même en vidéo, c'est la première fois que je crois que ça doit être une des premières fois où je m'énerve autant en vidéo, hein. C'est quand même... Regardez ça, j'attaque le bloc, là. Quand je vous disais, la hitbox, elle est abusée. Regardez ça, j'attaque à 2 mètres de l'ennemi le bloc... Puis ça le touche quand même quoi, regardez, j'attaque le bloc en dessous et ça le touche. C'était pas le cas avec l'ancienne hein, DPI. Bon allez, bah du coup les amis, pour le fun, parce qu'on l'a pas vu assez encore ce boss, Merde. On va se refaire le combat contre le boss de droite là. Allez, pour le fun. Après tout, il est tellement bien ce boss, et on l'a tellement peu vu que... Allez. Ah ouais, blablabla, c'est ça, ta gueule, allez, dégage, je vais te faire foutre. Allez, let's go. D'accord, j'ai déjà raté mes premières attaques. Ah, ça y est, je commence déjà par faire n'importe quoi. Vous allez voir que je vais réussir à crever encore. Je commence déjà le combat par faire n'importe quoi. C'est formidable. Pourtant, je le connais ce boss à force. Hein. Tac, 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 tac. Regardez-moi comme il est rapide cette arme. Tac, voilà, je l'ai tué, pas de problème. Il a même pas eu le temps de m'attaquer une fois. Non, c'est abusé, c'est abusé. Ça, c'est dommage aussi, sérieux. Un jeu devrait pas être. Il devrait pas être impossible à finir si on le finit pas à 100%, quoi. Parce que, en tout cas, à mon niveau, c'est impossible de le finir sans cette arme. Peut-être sans l'armure, oui. Sans l'armure, peut-être. Mais sans l'arme, en tout cas, c'est pas possible. Hein. Vous l'avez vu la dernière fois. De toute façon, bon, on va pas revenir dessus. Je pense que vous l'aurez assez compris. Je pense que, voilà, on a passé quoi? De 2, 3, peut-être 4 épisodes. Bah, 4 avec celui-là, du coup, d'épisodes sur ce boss. Je pense que vous avez assez compris le problème que j'ai avec. Hein. Tiens, 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 tiens. Tiens. Ah, je crois que cette fois-ci, je vais pas réussir à le tuer avant qu'il fasse spawn le jaune, tiens. Ah si, ah bah voilà, il aura même pas eu le temps de faire spawn le jaune, bah parfait. Bah voilà les amis. Tac, voilà, bon. Qu'est-ce que c'est maintenant? Boss final, je suppose, on va activer le checkpoint dans le doute. Allez. Non, je pense que c'est peut-être pas encore le boss final, mais... Oh, un marchand par contre. Welcome. Bah il me revend des armes secondaires, ça c'est très cool de ta part mec. Je m'avais aussi acheté de la soupe tiens pendant que j'y suis. Et on est parti, de toute façon je suis riche donc punaise. Ah là ça sent le boss. Là c'est la montée à la Castlevania là. Là on sent bien le boss là. Oh. Ah ouais.
Oula, attention. Alors, quelle surprise de te voir arriver si, de te voir arriver si loin, vieil homme. Ne gaspille pas encore plus de mon temps, espèce de connard vicieux. Où est mon garçon, donc pas mon arc. C'est oh, je suis son. Non, t'es sérieux? Tu ne peux même pas reconnaître ta propre famille, mon père. Non, menteur. Mon enfant était seulement un petit enfant il y a quelques jours. Un corps n'est pas toujours limité par. Un corps ne peut pas, ne tient, n'arrive pas à suivre tous les miracles que un esprit peut réaliser. Le Dalus a juste attendu le bon moment. Maintenant, je veux être connu par mon vrai nom, Priscus. Les nouveaux dieux vont se réveiller, vont s'élever et je vais être parmi eux. Tu peux toi aussi, si tu le souhaites. Comme c'était prévu. J'en ai assez des dieux. Viens, fils, arrêtons toutes ces conneries, on va dire. Ouais, nonsense, tous ces... quelque chose qui a pas de sens, quoi. Tous ces trucs insensés. Et retournons à la maison avec notre famille et nos gens. Qui certainement te... enfin, tu leur manques certainement. Ils n'ont jamais été mes gens, ils étaient mes ennemis. J'ai attendu un millénaire pour ma revanche. Un millénaire pour recréer le Dalus et retourner parmi les dieux. Toi, cependant, tu n'es pas aussi faible que les autres. Ah bah voilà, que les autres. Donc c'est Dulk, ça doit bien être ça. Je pense que ça doit être le nom des habitants. Viens et nous pourrons régner tous les deux. C'est de la folie! Quel homme ridicule, quoi. Enfin bref, voilà, vous aurez compris. Tu ne me donnes pas d'autre choix. Oh! Foiré! Tu t'as même pas attendu que je sois prêt, quoi. D'accord, donc il faut l'attaquer de dos, apparemment. Oh punaise, mais c'était quoi ce bug? Il m'a envoyé voler à travers toute la pièce. Punaise, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je comprends rien là. What the fuck? Je comprends rien ce qui se passe là. Comment on l'attaque? Non mais t'es sérieux? Non attends, c'est pas ça le boss final. C'est pas ça le boss final parce qu'alors là, non c'est pas possible. Tu es mon fils, cependant tu ne l'es pas non plus. Tu es mon fils et en même temps tu ne l'es pas. Comment est-ce que c'est possible? Mes frères de sang et moi avons vécu il y a parmi les, dans ce royaume parmi les Sedulk donc d'accord jusqu'à ce que votre race vole le Dalus et ait forcé ma race à vivre dans les ombres pour l'éternité. Enfin, nous avons réussi à obtenir notre revanche par nous-mêmes. Tout ça pour de la vengeance, tu veux dire. Pour la vengeance, oui. Et pour le pouvoir également. Qui ne voudrait pas... Enfin, qui ne voudrait pas devenir un dieu? Si tu souhaites obtenir quelque chose, comment traduire ça? Réclamer quelque chose, tu peux réclamer la responsabilité de tout ce carnage. C'est absurde, je n'ai rien à voir avec tout ça. Un homme fier peut parfois être aveuglé par toute sa fierté. Tu as aussi été un très grand contributeur. Tu as aussi beaucoup aidé. Tu as beaucoup aidé à échanger. Tu as échangé beaucoup d'âmes en échange de pouvoir avant que ton fils ne naisse. À partir de là, est-ce que tu es ici sans sang sur les mains? Est-ce que tu as vraiment épargné tous les hommes qui ont croisé ton chemin? Tu m'as amené dans ce royaume, endormi mais conscient. Dans ce corps frêle, c'est pourquoi j'insiste. Joins-toi à moi et régnons sur une nouvelle ère. Quoi?
D'accord, ok, il a une deuxième forme, évidemment. Bon, c'était évident qu'il allait avoir une deuxième forme, mais j'aurais bien voulu, je sais pas, un checkpoint, un truc. Allez, 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 on se concentre. Là, oui, là, effectivement, là, j'ai pas parlé pendant 5 secondes, là. Excusez-moi, mais je me concentre, parce que... Je rappelle que je me bats avec un demi-cœur, là. Hein. Je me bats avec un demi-cœur. On va y aller avec les armes... Oh, 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 qu'est-ce qu'il nous fait, là? J'aime pas trop beaucoup ça. Merde, foiré, connard. D'accord, ok. Bon. D'accord, 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 d'accord. Allez, les amis. C'est faisable, c'est faisable. Bon, c'est bon, pas de... Ouais, voilà, pas de dialogue. Voilà, merci. En plus, j'adore, il se bat avec son casque sous le bras, quoi. Il enlève son casque et il m'attaque avec son casque sous le bras. C'est le but d'un casque, c'est de combattre avec pour te protéger, hein. Mais il est impossible à toucher, ce truc. Attendez, attendez, faut que je comprenne comment il marche, là. Si je le bourre de coups, qu'est-ce qui se passe? Rien. D'accord, donc ça, c'est du combat épique, ça. Mais non! Mais d'où? J'ai déjà fait n'importe quoi, je pense que, ouais, enfin... Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de dialogue, là, donc... Mais tu vas crever, oui, connard! C'est qu'il est super chiant, ce truc! C'est quand tu veux, hein! Oh! Là, j'ai failli faire une grosse connerie, là. Par ça, sérieusement, même avec l'armure améliorée, il me reste plus que deux cœurs. Ce qui veut dire que sans l'armure, enfin, je sais pas, mais avec l'armure normale de base, on meurt en quoi? En deux coups? Ou en un coup? Ah, attention, il a jeté son masque cette fois, enfin son casque. Non! D'accord, il peut me faire un coup comme ça, vertical. Donc pas rester trop proche. Ah ça va, il est quand même assez technique, hein. Je pense que voilà, là même avec quoi? Mais qu'est-ce qui m'a tué là? Mais il y avait rien sur le chemin, qu'est-ce qui m'a tué? C'est pas grave, allez, on s'en fout, on continue, on y est les amis là. On y est, on y croit. Non, c'est faisable. Non. Le problème c'est qu'il faut attendre qu'il nous attaque, mais après du coup vous êtes obligé de vous prendre plein de dégâts quoi. Putain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Putain, j'ai plus qu'un cœur et demi, mais en fait sa deuxième forme elle est plus simple que la première quoi. Parce que là le problème c'est qu'on est obligé d'attendre qu'il nous attaque. Du coup, c'est super chiant. Ah merde, et puis j'ai plus de hache. Je me disais, mais pourquoi il balance pas de hache? Ouais, ça y est, j'ai crevé, génial. Ah, par contre, la torche peut-être. Peut-être la torche. Tiens, on va tester la torche, voir ce que ça fait. Ah, la torche peut-être. Ah bah oui, parce que parce qu'il prend pas... Parce que s'il commence à nous attaquer pendant qu'on lui balance une torche à la gueule... Ça, il faut qu'il nous attaque encore, mais bon. Ouais, en fait, ça fait que dalle la torche. Hein. Non, mais c'est débile. Ça va plus vite que vous voyez, c'est ça. Ça va plus vite de foncer dessus comme un crétin. Et merde, là je me suis fait toucher bêtement. C'est pas grave, enfin si ça l'est, mais bon tant pis. Hein. Qu'est-ce que je fous? Non! Ok, il va être chaud ce boss. Il va être chaud, mais en même temps je suis content parce que... Parce que j'avais un peu peur justement que le boss, je le termine sans le moindre problème. Vu que j'ai les upgrades et tout, j'avais un peu peur que le boss, on le tue en deux coups aussi.
Qu'est-ce qu'il nous fait là? Attention, il se transforme en... Mais c'était quoi ça? Sérieux? Mais qu'est-ce que c'était que ça? Heureusement que j'ai 2 tonnes d'or, bah, parce que... Mais sérieusement, c'était quoi ce cirque là? C'était quoi ce truc? Possible, allez, esquivez cette merde. Non mais même comme ça marche pas. Hein. Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure pour ne presque pas me faire toucher, mais... D'accord, donc bourriner comme un crétin, ça marche pas non plus. Bon, mais vous me direz, heureusement. Mais non, mais il se retourne beaucoup trop vite, oh là là. D'accord. Non mais c'est pas grave, pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va, je me dis qu'il est encore faisable. Pour l'instant j'ai encore des trucs à tester. Mais et puis je lui saute dessus, moi, bien sûr. Non mais si c'est pour faire l'handicapé sur patte, c'est pas la peine. Mais bordel de cul, mais... Ça y est, ça recommence. Mais en fait, même quand j'essaye de jouer bien, ça passe pas mieux que quand je fonce comme un débile, quoi. C'est un peu triste, quand même. En fait, la technique, c'est de lui sauter dessus, enfin, de lui sauter par-dessus, et d'esquiver ses attaques, en fait, en sautant, puis de lui mettre un coup dans le dos. Oui, c'est une technique de lâche, mais c'est comme ça, donc le boss est comme ça, donc vous m'en voyez navré. Non! Ah, mais je suis pas mort! J'ai cru que j'étais. Ah, bah là, oui, maintenant, oui, bien sûr. J'ai hésité, j'aurais pas dû, tant pis. Force de faire le groupe pingouin, c'est ce qu'on gagne. Allez, on y croit. Mais non, et puis je lui saute dessus de nouveau. Oh là là, là. Allez, voilà, merci. Et bah, vas-y, je fais n'importe quoi, vas-y, va, suicide-toi, ça ira plus vite. Oui, allez, tue-moi. Oui, allez, tue-moi, ça va. Allez, oui, tue-moi, merci. Bon. Point positif que l'on peut retenir, c'est que je n'aurai plus besoin de me refaire en boucle les premiers niveaux, vu que là, on a un marchand qui nous vend toutes les armes secondaires juste avant. Ça, c'est un point positif. Ça fera que je m'énerverai déjà beaucoup moins. Bon, tous les ennemis au respawn, évidemment, ça serait pas drôle sinon, mais voilà, ça c'est déjà un point positif qu'on peut noter. Parce qu'il faut bien les noter quand il y en a aussi, hein, après tout. Voilà, ça c'est le point positif. Point négatif... C'est que ce boss a l'air super chiant. Non mais il a pas l'air... Non mais enfin ça va quoi, disons qu'il est faisable à mon avis. De toute façon là j'ai toutes les upgrades, donc à mon avis il y a moyen de le tuer super facilement avec un peu de bol. J'aimerais bien pouvoir le battre pas avec du bol mais en le comprenant vraiment quoi, ce qui est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant je le comprends pas, je me contente de bourriner comme un crétin, puis ça passe sur sa première forme. Mais, j'ai l'impression que... Mais d'où je me fais toucher là. Que la deuxième forme elle passerait aussi en fait avec un peu de bol, mais bon... Encore une fois c'est pas comme ça que j'ai envie de finir le jeu quoi. Bon et bien entendu je ne ferai pas de remarques sur l'originalité du scénario, hein, on va dire, voilà. Je ne ferai pas de remarques, voilà, je vais pas faire de remarques là-dessus, de toute façon. Tiens, j'ai 39 piles de chaque arme, parfait. C'est pas, voilà, c'est pas ce que je recherche, hein, à faire des remarques là-dessus. Nous, ce qu'on veut, là, ah non, non, pas, merci. Non, mais je m'en fous, j'ai vu le scénario, merci. Super, puis là, j'attaque à côté, en plus. Mais non, mais pourquoi il me fait 3 attaques d'un coup, là? Voilà, là, il est le haut. Et en plus, il attaque n'importe où, je sais pas pourquoi. Mais bordel, mais son pattern, il change à chaque fois. Voilà, finalement, c'est plus simple d'y aller comme un débile et puis de traverser comme ça, quoi. Mais j'ai pas envie de battre le boss comme ça. De toute façon, je sais que ça marchera pas. De toute façon, il faut bien que je comprenne le boss histoire de minimiser les dégâts, mais. Parce que sérieusement, les gens qui auront fini le jeu, mais simplement en bourrinant comme des tarés sur tous les boss avec l'upgrade de l'arme. Ouais, ok, c'est une manière de finir le jeu, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de le finir le jeu, moi. Ça me gonfle un peu quand même. Mais pourquoi mon bouton de saut a pas marché là? Bon, ok, je fais n'importe quoi, vas-y, tue-moi, ça ira plus vite. Oui, tu peux me tuer. Merci, j'attends que ça. Voilà, merci. On recommence.
En fait, je crois que j'appuie trop vite sur le bouton de saut, ce qui fait qu'il a pas le temps de comprendre que je fais deux inputs. Faudrait que j'appuie beaucoup plus lentement, parce qu'on peut presque sauter jusqu'au plafond en un seul saut, donc... Le problème, c'est que je ne sais pas, parce qu'il peut faire une, deux ou trois attaques. Le problème, je sais pas quand est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il le fait, quoi. Voilà, par exemple, il en a fait trois, mais comment est-ce que vous voulez anticiper? Là, il en a fait une. Là, il en a fait qu'une. Voilà, là, il en a fait trois, on sait pas pourquoi, il y a même pas un pattern, en fait. Voilà, là, il en a fait deux, ou il est en train d'en préparer une troisième, je sais pas. Et du coup, j'ai plus de vie, presque, de nouveau. Il faut surtout faire attention à son coup vertical, en fait. Enfin, il faut faire attention à tout, mais ouais, voilà, c'est ce coup vertical à la con, là. Mais le problème, c'est qu'il a pas de pattern, ce boss, en fait. Il n'a pas de pattern. Jusqu'à présent, là, le dernier boss, là, super relou, là, où on a passé 4 épisodes dessus, il avait un pattern clair. C'est juste... c'est... Là... Mais non, mais pourquoi il a fait 3 coups là? Je pensais qu'il allait en faire que 2. D'accord, en fait, je crois que quand il attaque... D'accord, donc quand il attaque de haut en bas, c'est là qu'il fait qu'une seule attaque. Par contre, quand il fait des attaques deathstock, là, il en envoie plus. Je crois que c'est ça. Mais non, mais j'ai sauté. Le problème, c'est que vous prenez tellement de dégâts, même. Non, mais sérieusement, vous avez vu les dégâts. Non, mais attends, bon, je me suicide, ça sert à rien. Vous avez vu les dégâts que je me prends avec l'armure. Je crois ce qui est l'armure la plus forte du jeu. Je sais pas combien il y a de forme, mais vous voyez le nombre de dégâts que je me prends. Vous imaginez avec l'armure de base, mais vous mourrez en un coup, c'est pas possible. L'avantage aussi, c'est que comme là, je me sers pas d'armes secondaires pour l'instant, parce que j'ai vraiment envie de comprendre. Bon, de toute façon, on va s'arrêter. Je vois qu'on est à la demi-heure. On va encore vite fait. Je sais pas, allez, on va encore faire vite fait 2-3 tries. De toute façon, ils sont faits en 2 secondes vu que je meurs super vite. Et comme ça, les amis, on pourra voir pour la prochaine fois. Je pense pas que ce soit le boss final, ça. Franchement, je crois moyen que ce soit le boss final. Moi, je m'attends qu'il y en ait en tout cas encore après. Ou encore un niveau, peut-être. Je pense pas que ce soit le boss final. Enfin, ça me paraîtrait bizarre que ce soit le boss final. Ça serait dommage, peut-être, que ce soit le boss final parce que. Parce que mine de rien, il n'y a pas eu tant de niveaux que ça. On y a mis des heures parce que, bah voilà, parce que le jeu était designé de manière à ce que très peu de niveaux prennent beaucoup de temps. Mais j'aimerais bien voir encore un ou deux niveaux de plus, peut-être. Ça pourrait être cool. Ça, on verra bien. Mais par contre, ce que j'espère, c'est que j'aurai pas besoin de me retaper tout ça la prochaine fois. C'est-à-dire me retaper le boss à gauche et à droite, hein, comme j'ai dû faire cette fois-ci, non merci. Je pense que ce que je ferais, c'est que quand on va s'arrêter, je vais activer le checkpoint qui est ici, et on va se quitter depuis là, parce que sinon... Ah non, mais ça sert à rien en fait, vu que de toute façon on retourne à la carte. Oui, mais je m'en fous, ta gueule. Puis si on fait comme ça. Non, mais je me fais toucher quand même. Oh punaise, mais j'ai perdu en 2 coups toute ma vie, quoi. Allez, vas-y, tue-moi, ça ira plus vite. Oui, tue-moi, merci. Bon. Alors comment qu'on va faire? Voilà, là je me suis fait toucher, j'étais à 20 mètres, mais c'est pas grave. Et allez! Mais vas-y! Mais vas-y! Mais qu'est-ce que c'est relou. Oh là là, mais ils les ont tous chiés leurs boss ou quoi? Ils ont décidé à chaque boss de faire le boss le plus chiant de l'univers à chaque fois et de se surpasser à chaque fois pour faire pire. J'ai l'impression que ça donne en tout cas. Voilà, hein. Bon, je crois qu'il faut juste attendre en fait qu'ils fassent ces boules de feu à terre. Ouais, enfin si vous y arrivez. Et puis c'est là que vous avez une ouverture pour le taper en fait. Donc j'ai envie de dire première forme, bourriner comme un autiste. Deuxième forme, essayer d'attendre simplement qu'il se...
Voilà, parce que là je perds, bah voilà, bon bah c'est plus simple et je perds moins de vie à taper comme un débile. Donc on va faire ça comme ça. Voilà, c'est là qu'on peut attaquer. Enfin, on peut l'attaquer une fois, mais voilà, pas en tout cas pas quand il fait ses attaques de stock. Ça c'est impossible à esquiver. Ouais, bon, pff, voilà, bon, d'accord. Bon, les amis, on s'arrête là. Voilà, parce que de toute façon il me reste plus de vie. Donc on va quitter ici en espérant que oui, bah oui, je suis au checkpoint là. Donc j'espère que le jeu va capter que ça veut dire que j'ai envie de reprendre de là, puis que j'ai pas envie de me tout me refaire. Bon, je vois qu'on a une demi-heure, donc on va s'arrêter là. Bon. Bah le jeu est pas encore fini hein. C'est pas encore fini. Là je pense qu'on a encore du boulot. Ouais bah je sais pas ce qu'on va faire. Bon on verra bien. On verra bien la prochaine fois, j'ai un peu peur mais bon. Ma foi. Je risque de m'énerver un peu mais bon ça vous commencez à avoir l'habitude je crois. Enfin bref, j'espère que cet épisode là où on aura de nouveau avancé un petit peu vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et surtout d'ici la prochaine portez-vous bien. Salut à toutes et à tous.